bien contente que tu sois de retour. J'imagine qu'il va te falloir un peu de temps pour t'habituer. Il faut que tu trouves du travail, que tu te remettes en selle. Palmer, vous avez été meilleur joueur 2 années de suite dans l'équipe de Riverside. Oui, monsieur. Plein de choses ont changé. Le petit garçon, c'est Sam. Figure-toi que sa maman a encore fichu le camp. Il va habiter avec nous jusqu'à ce qu'elle revienne. Tu sais que t'es un garçon? Oui. In the hours that I've known. Tu sais quand est-ce qu'elle va revenir, ma maman? Ils vont le placer dans un foyer. Il s'arrange pas, ce gamin. Il est vraiment détraqué. You set me free. Comment tu t'es retrouvé en prison? Ça ne change rien. J'ai fait ce que j'ai fait. Mais regarde ce que t'as fait aujourd'hui. Écoute-moi, mon garçon. Les enfants sont méchants. Surtout quand ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Vous n'avez pas le droit de vous occuper d'un enfant. Ni celui-là, ni un autre. Vous êtes un criminel, un point, c'est tout. Il y a des choses qu'on peut être et des choses qu'on ne peut pas être sur cette terre. Combien de garçons tu vois dans cette émission? Aucun. Oui, et qu'est-ce que tu en déduis? Que je peux être le premier garçon du club. Des bonbons pour un sort! Des bonbons! Pour vous dire la vérité, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti utile. Avant de m'occuper de Sam. J'ai bien revenu hier soir. T'as pas réussi à te tenir tranquille, hein? Je peux pas abandonner ce petit garçon. Je ne dois pas abandonner ce petit garçon. J'ai entendu dire que vous aviez pris le thé ensemble l'autre jour. Oh oui. Mais attention, Palmer, c'est chaud. Le petit doigt, je vous prie. Mmh. C'est vrai, hein? Vraiment très bon.